Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette, un make-up avec la Midnight 42 de chez Beauty Bee. Alors oui, on est au mois d'août, je suis en pull, mais il fait 14 degrés chez moi. Vive la Belgique. J'ai l'impression d'être pas très clair. Bref, en fait, comme je suis en train de régler la caméra pour les lives, du coup, j'ai des soucis de caméra. Voilà, donc je verrai ce que ça donne au montage. Voilà, donc on fera le tirage au sort de la prochaine palette à la fin de la vidéo. Et je vous dis tout de suite que si c'est une Beauty Bee, je passe, je switch direct. Parce qu'on ne va pas utiliser que des Beauty Bee quand même. Hein. Donc je me rapproche et puis on s'attaque un petit make-up. Voilà, là je crois qu'on est bien tente. Alors, j'ai pas pris de pinceau pour blender ma base. Donc je vais faire ça au doigt comme une grosse cochonne. Riley, descends là. Riley. On va partir sur du vert et orange. Bien évidemment. Alors, je vais prendre un pinceau biseauté. Je vais faire mauve et bleu. Hein, tout simplement. Mais j'ai envie de faire un truc un peu graphique. Donc je vais commencer avec ce violet ici. J'essaie de regarder un peu ceux que j'ai pas encore utilisés. Riley ! Riley ! Fouiller dans mes affaires, non mais allô. Et je vais donc faire mon creux interne. Va te coucher si c'est pour venir pleurer dans le bureau. Je crois qu'elle a décidé d'être chiante. J'essuie mon pinceau. Parce que je suis ma feignasse, hein, comme d'hab. Je vais partir dans le bleu. Je vais prendre celui-ci. Pour continuer. Et je vais terminer avec le bleu canard ici. Parce que j'ai envie. Il n'y a pas énormément de différence. On va voir. Donc là, je fais mon queue de cuir, je ne sais pas comment dire là. Et je vais reprendre un violet, mais un peu plus foncé. Donc je vais prendre celui-ci pour terminer ma forme. Alors, je vais prendre un tout petit pinceau boule. Non, ça va. Un petit pinceau crayon. Et je recommence avec les mêmes teintes. Pour dégrader. Il m'aidera à donner un coup d'estompeur après. Pour vraiment bien tout peaufiner. Suivant, c'est lequel que j'ai pris celui-là. J'en profite pour dégrader les deux teintes entre elles aussi. Suivant, c'est le bleu canard. J'ai dit qu'on fera un make-up un peu plus travaillé hein, cette fois-ci. On voit pas une énorme différence entre les deux bleus là. Oh, j'ai un chat dans les gorges, alléluia. Et je termine avec le violet foncé. Pas foncé. Et là, je vais faire mon ras de cils. Donc, je vais prendre un pinceau fluffy pour tout estomper. Alors, je vais prendre un pinceau plat, mais assez précis. Je vais prendre du violet, mais je vais prendre un plus doux. Je vais prendre celui-ci. Pour mettre ici dans la pointe. Et j'étire vers le centre de la paupière, mais léger, léger, léger. Alors, sur le reste de ma paupière, je vais prendre le lilas ici. C'est juste pour mettre une sous-couche un peu colorée, donc je vais pas trop me tracasser pour cette teinte là. C'est juste histoire de poudrer ma paupière pour pas que ça fasse des taches. Et alors je vais partir ici au centre avec du violet. Je vais prendre celui-ci, donc le lumineux, hein, on attaque les pétouilles.
parce que les pétouilles, c'est la vie. Donc, je vais jusqu'à la transition du bleu ici. À la suite, je vais mettre... celui-ci. On part dans les bleus. Alors, je vais également en mettre en ras-de-cils interne. Voilà. Et pour le coin interne, j'aurais bien aimé un blanc, mais il n'y a pas de blanc. Je prends un pinceau pour le coin interne et je vais mettre le bleu ici, presque blanc, un peu gris. Et voilà pour les fards à paupières. Donc, je vais redonner un petit coup de blindage partout. Liner, mascara, crayon et tout ça, rouge à lèvres. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Je vous explique après et on fait le tirage pour la palette de mercredi prochain. Donc voilà le look final avec la Midnight 42 de chez Beauty Bay. Voilà. Alors en muqueuse, j'ai mis le violet comme ça de chez Makeup Obsession. J'ai mis des paillettes avec le liner W7. Alors je ne sais pas vous lire la teinte, je crois que la teinte n'est même pas notée. J'avais eu ça dans un coffret, je crois. Et sur les lèvres, j'ai mis celui-ci de Kylie Cosmetics, mais pareil, je ne sais pas lire la teinte. C'était une édition de Noël que j'ai reçue dans le swap avec ma petite bichette Manon. Et je bave. Et voilà. Et le liner pailleté, j'ai fait tout le tour de ma forme. Et bien sûr, j'en ai mis sous les chenilles, comme très souvent en ce moment. Et ma petite barrette, c'est moi qui l'ai faite. Elle est trop belle. Bref. Donc voilà. Alors, on va procéder au prochain tirage au sort. Je vous ai dit, si jamais c'est encore Beauty Bay, on switch. Parce que voilà quoi, je ne vais pas faire que du Beauty Bay. Hein. Attendez, il faut que je me rappelle. Allez, c'est parti. Et Ultimate Edit. Non, on switch, je ne sais plus c'est laquelle. C'est une toute petite, je crois que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs, hein, qu'une abonnée m'avait envoyé, mais bon. Lovely Léo. Pourquoi ça. Non, Lovely Léo. Je suis pas emballée, j'aimerais bien tomber sur une. Attendez, je switch jusqu'à ce que ce soit une qui me plaise. Non. La Danessa Myrick. Ouais, on va faire ça. Voilà, donc là c'est que des lumineux. Hein. On va trouver une solution pour faire un joli make-up. Je pense que je ferai un smoky duochrome, enfin multichrome. Ouais. Donc la prochaine, ça sera la Danessa Myrick que m'a offert Manon dans le dernier swap qu'on a fait, que je vous remets en barre d'infos et dans le petit i. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, et. Voilà, donc ça conclut cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis c'est tout. Donc moi j'ai plus qu'à vous dire bisous.